Des membres de la centrale. Performance project. Team drawings on the computer. Ce qui est bien à la centrale, c'est que tout est possible, tu sais. Making paintings, making sculptures. Membres de la centrale. Performance artists. Feminist performance artists over 40 who are using the body, hiring other bodies or using their own body. Alors bonjour, mon nom c'est Caroline Auclair. Je suis une artiste, je pratique le line art, la photo, la peinture. J'ai toujours, je fais aussi un petit peu par plaisir là, des ateliers, l'atelier circulaire en gravure ou des choses comme ça. Mais j'ai un travail alimentaire qu'on dit. Donc, je suis enseignante au secondaire et primaire, des fois aussi. Mais j'enseigne les arts plastiques, heureusement, j'enseignerai rien d'autre. Fait que c'est ça. Pourquoi je suis membre de la centrale? J'ai regardé d'autres centres d'artistes autogérés, mais la centrale, en sachant son historique au point de vue féministe, ça m'a beaucoup interpellée, puis j'ai trouvé ça important d'être membre comme femme, parce que je sais que c'est difficile aussi pour les femmes dans la vie des fois, femmes monoparentales. Puis j'ai beaucoup aimé l'ouverture par rapport au mandat aussi, par rapport aux minorités. C'est interculturel, c'est plus ouvert au niveau des genres aussi. Même si mon discours n'est pas très féminisme articulé, j'aime le global, l'ouverture qui en ressort de la centrale Powerhouse. C'est ça que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des vagues, il y a trois vagues de féminisme. Puis j'espère faire partie de la troisième. Mais je suis très fière. En plus, j'ai oublié de vous dire, je suis très... Mon premier point de vue, pourquoi je suis membre en premier, c'est parce que, à cause de l'historique féminisme, et le deuxième point, c'est parce que je suis fière. Une fierté de participer à la centrale, de voir juste Internet, de participer à des événements, même si je ne vais pas régulièrement, mais au moins de temps en temps, quand ça m'adonne, c'est en lien avec mon travail. Puis ça m'aide à m'articuler, ça m'aide à voir qu'est-ce qui se fait, c'est ça. Avec les années, je sais que le pivot central de mon œuvre, c'est la nature. Mais moi, en tant que parce que je suis femme, je pense que je suis sensible, veux pas, ça transparaît dans mes œuvres. Alors, je vais vous présenter un petit peu des œuvres que j'ai faites. Mais c'est sûr que c'est des femmes, mais ça veut pas dire que je suis pour juste la femme. Je me présente comme femme, mais on est comme personne plus encore, là. Comme personne sensible, puis un collage. La danse de la paix. Ça fait peut-être cliché, mais quand même, la paix, c'est une des causes qui est très bafouée. Il y en a, toutes les causes sont bafouées, mais la paix est en tout cas, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est comme un peu la base avec toutes les guerres, tout le manque d'ouverture. Je trouve que ça passe un petit peu par là. Ici, il y a la source quand je m'abreuve, ça fait très longtemps, j'avais pas les cheveux blancs. C'est un symposium d'artistes qui avait eu, c'est une installation, c'est l'amour, sur le thème de l'amour. Puis moi, j'avais mis un homme et une femme. Ça aurait pu être tout autre chose aussi, là, peu importe, c'est très... on s'abreuve à la source. Le Lennart, on voit aussi des roches en mousse. J'aime beaucoup la mousse, les mousses, puis j'ai... Les upatoires ici maculés, les petites fleurs blanches, c'est des bécots, c'est des bisous, béquets bobos qu'on dit. C'est comme souvent on dit, le respect ça passe aussi. On peut voir les personnes qui respectent un peuple qui est capable de se respecter. C'est souvent le respect pour les animaux qu'ils ont, le respect pour la nature aussi. Le respect pour l'être humain, ben c'est sûr, hein, c'est évident. C'est tout, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que les autres font. C'est vraiment une belle idée.
Je trouve pour les 40 ans de la centrale, ce que vous avez, ce que vous faites, en fait, ce qu'on fait, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à toi.